Dans un jardin, on travaille bien sûr, mais surtout on rêve. Et pourquoi rêve-t-on? Et de quoi rêve-t-on? Ben, on rêve de toutes ces plantes, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur. Voilà. Et on pense aux origines. D'où viennent-elles? Viennent-elles de l'Himalaya? Viennent-elles du Caucase? Viennent-elles plus simplement des Pyrénées ou du bassin parisien? Peu importe. Chaque plante est liée à un pays qui fait rêver. Mais ce qui est le plus important, surtout, c'est de savoir dans ces pays comment elles poussent, dans quel milieu elles poussent. Seront-elles à l'ombre, comme une petite plante de sous-bois qui sera à l'ombre d'une falaise, laquelle va s'accrocher à la paroi de la falaise, laquelle va grimper pour atteindre la canopée, et quels seront les arbustes de pleine lumière. Donc, un jardin, c'est la magie, parce que c'est le monde entier, mais surtout, on passe de 1% de lumière à 100% de lumière suivant les endroits. Donc, on a une panoplie absolument énorme de ce qu'on peut apprivoiser dans un jardin. Et donc, moi, grâce à la chance que j'ai de pouvoir voyager dans le monde entier, je vais essayer de vous raconter un petit peu ce qu'est l'aventure de ces plantes dans leur milieu naturel, un peu partout dans le monde. Et donc, rendez-vous samedi 10 octobre à 14h à Chantilly.